Bonjour, élève musicien. Tu veux te mettre à la flûte à bec? Super. Tu as déjà vu les vidéos pour apprendre à jouer le do et le ré? Si ce n'est pas encore fait, je te mets les liens en description de cette vidéo. Il est important que tu fasses les cours dans l'ordre, bien évidemment. Alors, je me sers de deux modèles de flûte. Je vais t'indiquer le doigté pour jouer le mi sur cette flûte et sur celle-ci. Alors tu mets le pouce à l'arrière pour avoir une note grave, tu bouches les trois premiers trous de la flûte avec la main gauche et les deux trous suivants avec la main droite. Et là tu as un mi. Et si tu joues sur cette flûte, eh bien pareil, tu bouches le trou à l'arrière, les trois premiers trous avec les doigts de la main gauche, les deux trous suivants avec les doigts de la main droite. Et donc tu obtiens un mi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec un mi? Eh bien, comme tu as déjà vu le do et le ré, tu peux jouer des mélodies sympas. Par exemple, fais dodo. Ou alors, une chanson que tu inventes. Voilà, c'est complètement improvisé. Ok? Donc amuse-toi avec ça. Tu peux même faire des bêtises. Ça fait un peu charmeur de serpent. Et ben mine de rien, c'est un très bon exercice parce qu'il ne faut pas bouger les autres doigts quand tu fais ça. Hein. Non, ce serait pas bon. Donc il faut que tu gardes quand même bien appuyé tes doigts, pas trop fort, mais que tu sois bien appuyé sur la flûte. Et que tu te serves des autres doigts, soit tu bouches complètement la flûte, soit tu bouches seulement un trou ou pas trop du tout. Mais les autres doigts restent collés à la flûte, comme s'ils étaient collés sur l'instrument. Voilà. Si tu as aimé ce cours en vidéo, clique sur le ch'toum pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Laisse-moi un commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur ch'toum, la cloche de notification pour recevoir les prochains cours en priorité. Bonne musique, à très bientôt sur la chaîne YouTube Armo Chopin.